Salut René. Salut René. Dis donc, tu sors un coup de magnétoscope. Des Sony. Un camion qui s'est échoué dans le coin. 1000 balles. Ils en valent 4000 normalement. Ça t'intéresse? Le mien marche encore. À part ça, ton boulot? Je me plains pas. Enfin, pas trop. Et toi, quoi de neuf? Cézanne. Pourquoi tu fais pas de restauration? Il y a que le 19e qui se vend. 19e, 18e, tout le monde veut de l'ancien. Merde, c'est foutu, on vaut plus rien. J'aime quand tu t'énerves comme ça. Ça prouve que t'as du talent. Les mauvais, ils sont toujours contents. Si ça suffisait. Bon, c'est foutu, foutu. C'est foutu, foutu. Mon Dieu, on est déjà en avril. Le 3, pourquoi? Le grand démo. C'est la date où il vient tous les ans. Il court pas mal, n'empêche. L'an dernier, c'était le vélo. Je sais pas comment il se démerde. Il fait de la télé, il écrit dans les journaux. Il paraît qu'il écrit même des romans, maintenant. Il fait du sport. Il tire des gonzesses. Il m'éclate, ce mec. Je partage pas ton enthousiasme. Qu'est-ce qu'il a qui t'éclate? Sa façon de vivre. Ça me plairait de vivre comme lui. Qu'est-ce que c'est que ces cinglés? Bonjour. Commissaire Le Sage. Vous êtes bien René Stern, le professeur de dessin? C'est moi. La petite Eloïse Michel, vous lui avez donné un cours cet après-midi? Pourquoi? On a retrouvé son corps à 500 mètres de chez vous, aux environs 17 heures. On l'a violé et ensuite on l'a étranglé. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ignoble. Vous nous excusez deux minutes, j'aurai besoin de vous parler. Venez, on va faire quelques pas. Racontez-moi cette dernière leçon, s'il vous plaît.